Alors que voici Samuel Dumont d'Épinay-sous-Sénart, l'un des grands centres de la gymnastique française dans la banlieue parisienne. Samuel, spécialiste au sol, il était déjà finaliste. Double tendu. Il faut dire que Thierry Hems, quatrième des Jeux Olympiques d'Atlanta, n'a pas pu participer au championnat de France 96 à Istres. Pour la bonne et simple raison qu'il prépare des examens particulièrement importants juste après ces Jeux Olympiques. Il était logique que Éric Casimir et Thierry Hems pensent à leur avenir. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas là pour défendre leur chance. Mais on a cette nouvelle vague avec Samuel Dumont, notamment, et Éric Casimir, que nous verrons tout à l'heure au cheval d'Arçon. C'est la dernière diagonale. Il a été parfait. Flip, oreiller demi, percuté, salto bien. Avant Corton. Et il devrait logiquement s'installer parmi les prétendants au titre avant le passage d'un gymnastique que je vous conseille de regarder à deux fois, puisqu'il s'agit de Dimitri Karpanenko, le vainqueur de la Coupe d'Europe et qui, il n'y a pas encore trois mois, disputait les Jeux Olympiques pour l'équipe russe. Il a failli, juste remplaçant. Il était remplaçant, mais enfin, préféré un autre, mais de toute manière, il avait tout à fait le niveau et le choix était plus relationnel entre lui et son entraîneur que technique. Oui, et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faisait partie de la liste de l'équipe de la Russie et qu'il a disputé d'ailleurs.